nazali ko critiquer yo nazali ko finga yo pe nazali ko conseiller yo ndeko Félix Tshilombo mingi bafundi yo mingi ba critiquer yo est-ce que zala ki na mboka toyebite mokonzi mobimba ya mboka abima na mboka sans que bato bayeba sans que ba service d'intelligence bayeba les gens se sont inquiétés et il y a cela on a condamné yo mosusu balbake okimaki les autres ont dit il y a eu beaucoup de versions croisées qui ont dit que tu jouais à la comédie il y a ceux qui t'ont vu yo pe ozalaki na kati ya Kigali en tant que milulu wana ezo kolekana de ce que les Rwandais ont médiatisé comme étant commémoration à génocide na bango. On ne sait pas qui dit mieux, qui dit vrai. En tout cas, on ne sait pas. Nous tous, nous demeurons dans les quiproquos parce que l'absence n'a eu écrit à qui ces quiproquos-là. Alors, Jean est dans quatre épopées. Il y a toujours un personnage qui est triomphant. Obimi, les gens ont applaudi. Il est ici. Les gens t'ont accueilli. Les fâchis bétons du Congo rentrent. Ayez vos apaisements. Maintenant, tout va marcher bien. Beaucoup d'histoires. Et Zalaki, coup d'état monté, malheureusement, et mankaki. Ça en a l'air, parce que Zali a libosote, ba attenté na vie na yo. Zali mpe ya soukate. Moto ya kuboma yo, Zali yo alikyo maele ou ozo ko landa yo, mouvement na yo parti ozo kende. Nde moto ya kuboma yo. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un vœu que j'exprime. Nonobstant, manière n'engini nous oka pouvoir na yo. Non élu, ceci et cela, la fraude, mais j'avais dit que Ozali na chance, étant entré par la petite porte, Naïb Sakayo, avec le temps, il faut sortir par la grande porte. Ça signifie, comme nous t'accusons que Oyiba ba élection, nous te disons aussi que Ozali président nommé, d'accord, ça arrive, c'est une autre façon de prendre le pouvoir. La démocratie n'est pas l'unique voie à travers laquelle Motifaz va pouvoir. Les politologues ils vont vous parler de deux voies ou trois voies, par la voie monarchique, donc tu hérites de tes ancêtres aux yeux du pouvoir, par la voie démocratique, tu es élu, la voie populaire qu'on appelle les élections, ou par un coup d'État. Ce sont les trois voies classiques. La prise du pouvoir par la force. Yo, au sali coup d'état, la libération en 2018, ba pension. Tu as ouvert la voie à la quatrième voie de la prise du pouvoir. Ba remettre yo pouvoir à travers ce que d'aucuns ne cessent d'appeler les deals. Ça signifie les accords de bas niveau et de chambre noire. Je n'utilise pas, je ne l'explique pas de la façon commerciale, non. Je parle de la façon, il y a ma société secrète, société à ma loge. Et les images sont là quand on t'a vu marcher avec des accompagnateurs, accompagner des gens s'accoutrant en franc-maçon. Ça signifie que vous allez un peu enchaîner quelque part. Mais ma bébé, vous allez, mingi, vous allez tribalisme. Les membres de ta tribu qui ne t'aident pas, mais par contre, leur but, Zali a Koyiba. Et cela est baissé aux gardes. Au lieu que tu sois populaire, que tu sois mokonzi, réellement mokonzi en mboka pour tout le monde, batoazo koyina yo. Osali mabe mingi. C'est ça ton problème. Osali mabe mingi comme les Tutsi et comme les Hutu. Et tu ne veux pas changer. Tu continues toujours à nommer batonayo partout, que ce soit dans le sport. Que ça partout, ce sont toujours les baloubas. Que cela vous fasse mal ou pas, mais je dois prononcer ce nom-là. C'est ce qui fait que Bato, Balingiote, ceux qui ont voulu faire ce coup d'état, Balingaki, Bato, Nyosoba se révolter contre yo. Et ça allait réussir. Parce que Bato, Balingiote, tu es un mauvais chef. Les cris de tes concitoyens, ils ont comme la yote. Les soldats crient. Ma salaire n'a pas été allé. Bazokoliate. Ils sont mal logés. Ils sont mal équipés. Et quelle est ta réaction?
ba fonctionnaire baleli pe mingi salaire na bango ezo komela bango te ton administration ezo futa bango te baleli mingi même si n'ont pas le pouvoir et la capacité de t'atteindre physiquement pour te faire du mal. Natural mystique. Il y a une mystique naturelle, positive ou négative, mais la négative peut t'atteindre, c'est ce qu'on appelle en lingue mususu, malédiction. Mitima na bango za limbindu, parce qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas bien traités, na kati ya mboka na bango. Et pourtant, bansango ezoko bima, au quotidien, on a détourné 450 millions, 350 millions. Et ceci et cela, il n'y a que des millions. Il n'y a pas de centaines ni de dizaines, il n'y a que des millions. Et quelle est ta réaction? On n'arrête pas ces gens. Soit on les arrête d'une manière comique. Bazoko Bengayo, magistrat suprême, le premier magistrat du pays. Que tu aies été à la faculté de droit ou pas, le pouvoir, le PCO, à titre one, c'est normal. Mais ce n'est pas seulement un titre prestigieux, alors que tu n'agis pas, monsieur Félix. Ce qui est allé à Solo, écoute de Talinga Kessalama, ben manqué. Ils t'ont toujours manqué. Ne pense pas que ces gens dorment. Pas un laboratoire partout. Ce sont des groupes et des clubs de penseurs. On va te manger. Et le Congo aura raté tout dans l'histoire. Tu dois changer de paradigme et cesser d'être folklorique. Parce que toi et ton entourage, vous êtes folklorique. Vous évitez que vous allez na destin à Mboka, na kati ya mutu na yo. Tu ne connais pas ça? Tu es seulement drogué, ivre, fachi, béton, fachi, ou quoi, tombolo, ceci, yangone batwa kulia. Tu ignores vraiment que vous allez na fonction, y a chef de l'État, tu ne prends aucune décision qui prouve que tu es réellement un président. Comment les gens peuvent se mettre à détourner le denier public, oso kanga bangote, oso kubomba bangote? Comment les gens peuvent se mettre à vendre armement, il y a armé la bise parce qu'on passe en gros quand il y a barouané la banane agresseur, tu ne fais rien. Comment les gens peuvent se mettre à trahir Batou, à trahir Mboka? Tu vas remplir la prison pour le nourrir encore? État de droit, n'ayons les allez wapi. Il faut prendre des décisions, même à terre que vous allez m'abé et que ça la bise m'abé. Il faut que ces décisions fortes soient prises, mais que cela bénéficie Mboka. Donc, il faut des fois prendre des décisions, même si cela ne plaise pas aux gens. Il faut qu'on prenne la décision dans l'intérêt général du peuple et du pays. Tu peux nous dire quelle décision vraiment tu as déjà prise, que ton gouvernement a déjà exécuté au bénéfice du pays, pour que toi accompagner dans ce que tu fais. Parce qu'il nous parle de vision du président. Quelle vision? Qu'est-ce qui manque depuis tout ce temps? Yo Okanga Kabila, même si c'est lui qui t'avait donné le pouvoir, après tout pouvoir, Ezaïa yo, Ezaïa Bissouba Congolais, yo Zamouana Congo. Donc, après ça, quand yo pouvoir, Asaraka Erer, alors Kang, Zoa pouvoir, Pe Kanga Yenka, Kana pouvoir, après ça, yo. Je répète, Bakoli yo, Ozoa chance, mais prends les taureaux par les cornes et agis. Le nom Okomi Okimo, Okomo Kokima. Parce que tu manques ce principe-là de la survivance des plus aptes. L'UDPS, c'est le mensonge. Comment un homme comme toi, président Mbemba, Totalio, la radio, Ozo Koloba, la Christiane Osakono, non, suivez-moi, regardez mes lèvres. Est-ce que vous regardez les gestes de mes lèvres? Dès qu'il nous reste un escamouche, pas escamouche, vous allez voir. Comment est-ce que tu peux? Tu peux dire des choses comme ça? Et le nom, nous en sommes là, au 15e mois. Ben, escarmouche, ma toiseau, couf à micro-nios. Mais tu ne réagis pas. Mais il faut être conséquent. Mais il faut avoir honte de mentir. Bakoulia, yo, Zali, tu es seul, tu n'es pas soutenu. Et tout ça, c'est parce que tribalisme, na yo. Batono, baso, koukou. Kouyi, bambongo. Tous les jours, on les voit dans les hôtels, en train d'acheter les amaroula, les whisky, parce qu'on met la masanga, n'a qu'aussi babasi, c'est tout ce qu'il y a dans leur tête. Banati malam ou bagera ma concert.
Mais l'herbe au kokufa ona, ils vont tous détaler. C'est tout. Pourquoi tu n'arrêtes pas Moïse Katumbi? Pourquoi tu n'arrêtes pas Rubero? Bisimana Karamu wetu. Azarias Rubero. Moïse Nyarugabo, pourquoi tu ne les arrêtes pas? Tu es en train na yo na presse na yo o M23 M23. Mais vous allez na M23 wana. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Ndeko Félix Tshilombo mbote na yo. Bon après-midi. Lelo le 15 avril. Nambula oyo 2024. La télévision yo sweningani. Ya kati ya Congo pe na kati ya diaspora esika bana mboka nyonso bazali oyo bazali na biloko bazoko benga ba télévision na bango privé pe na ba oyo balingi ko intervenir biso mingi mingi bafundi yo mingi bakritike yo te mingi komo ozali na ba équipe na yo ya media la commission, la diplomatie na yo, intelligence na yo, na bongo. Merci beaucoup. Ozongi, toyebite soki ozalaki obatami na kati ya lidusso, to na kati ya avion, to na se ya mai. Est-ce que ozalaki na mboka? Tuzaki libanda, soki uzaki libanda na mboka nini, toyebite. Nous nous basons sur ce que ba media na yo qui se font appeler les rumeurs de Kinshasa, bazo koloba. Néanmoins, au début, les gens ont soupçonné et ont accusé que ce n'est pas acceptable que mokonzi mobimba ya mboka, abima na mboka, sans que bato bayeba, sans que ba service d'intelligence bayeba. Bon, les gens se sont inquiétés et il y a ceux-là qui ont sauté vite sur le plateau. On a condamné yo, on se soubolba que okimaki. Les autres ont dit, il y a eu beaucoup de versions croisées qui ont dit que si tu jouais à la comédie, il y a ceux qui t'ont vu à Kigali. Il y a la presse occidentale belge et peut-être d'autres médias ont diffusé que il y a plus de gens qui à Kigali. En tant que milieu, on a eu le canal de ce que les Rwandais ont médiatisé comme étant génocide, commémoration à génocide Nabango. Et après, un ou deux jours après, peut-être la soirée, le même jour, on a vu que non, le média belge, entre autres les RTBF, dans tout bel acquis, on a vu que non. Ils se sont trompés aux alaki kunate. On ne sait pas qui dit mieux, qui dit vrai. En tout cas, on ne sait pas. Nous tous, nous demeurons dans les quiproquos parce que l'absence n'a eu et créé ce quiproquo-là. Alors, j'en ai dit, quand tu es popé,
il y a toujours un personnage qui est triomphant. Obimi, les gens ont applaudi, il est ici, les gens t'ont accueilli, les Fatshi Béton du Congo rentrent, ayez vos apaisements, maintenant tout va marcher bien. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Mais il y a ceux-là qui se sont fait appeler des analystes politiques et des spécialistes des services d'intelligence. Et au Babimi, dans le Biké, et Zalaki, coup d'état monté, malheureusement, et Mankaki. Ça en a l'air, parce que Zali a libosote, qui va tenter la vie n'ayo. Zali a libosote. Et comme Naïb Sakyo la fois passée, Zali mpe yasukate. Et pas un abisso, na balega balobarke. Moto ya kuboma yo, Zali yo alikyo maile o azo kolanda yo mouvement na yo partout azo kende. Nde moto ya kuboma yo. Nde ku Félix. Et loko ya mabi. Oye boma biso na mboka. Biso ba bantu, ba africain. Un peu ba congolais en particulier, Zali et loko tobengi religion. Vous savez, la religion est incompatible avec la révolution et les droits et libertés d'un individu. Ça ne sera pas exagéré. Je ne veux pas trop développer ça maintenant. Je voulais juste dire que pour la religion, Bissot, Africain, nous ne parvenons pas à agir et à réagir. Pour la religion et Ibsaka Bissot, Kosala Mutuma Bété, ce qui n'est pas mauvais. C'est pas mal. Ce qui va bétio les coffres, la gauche, pèse à l'itama, la droite. Na bongo. Pèse à même, mbunzu na yo, elongi na yo, babeta yo. Mpo, yesu, nanzambe, bango ne bazaba maître ya vengeance, bako bunde la yo. Ils sont les chefs des armées. Kassina Pesio, par exemple, Mingi, qui Yesu, Nzambe, Na Ala, Babonde la Kabatote, Mpo, Bazala Kanabangote. Nous allons répéter que la religion est incompatible avec les droits et libertés de l'individu. Parce que la religion s'accapare de vos droits et libertés et vous contrôle. Et tout celui qui vous contrôle, d'abord, il a une arme. Oyo ati na mutu na yo. Cette arme-là, ça s'appelle la peur. Bobangi, kobanga. Pour la philosophie sur la religion, ils allaient kobangi sa moto, ko désarmer conscience naïe, pour la moto à réagir te, ce qui va s'allier ma bé. Mais il doit chercher un défenseur fictif qu'on appelle Dieu, on appelle Dieu, Allah, et toute cette histoire de Bakumunyo Swana. Papesa kabato Yesu etc. Jehovah bango nde bakobundela moto. Mais pendant ce temps, moto aura déjà perdu ses droits et libertés, sans conscience pour réagir, se protéger et s'approprier
na humanité na ye. Alors biso basango na ba colonisateur nyoso ba melisa biso philosophie wana ça nous a fait attarder ti lelo. Eh ben na kay mo musika na philosophie pour na yisayo biloko wana na mamu kuse eloko na ngena yisayo zali boy o pena sina yebisa kayo liboso nde kuna ngai Félix soki oti na mutu na mayele na bongo na yo philosophie wana ya religion bakoli ya yo. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un vœu que j'exprime. Et parce que je sais que bandeko na yo baluba na ba presse na yo et tes fanatiques vont interpréter ça na ndenge babengaka yango un langage de la haine, la jalousie. Non. Nous ne te jalousons pas. Félix. Mingi kati na biso okuti biso to banavi pe to sito sala vie. Je ne suis pas du genre à raconter ma vie, à raconter mes diplômes comme les Congolais en ont l'habitude quand ils sont devant les médias et ils vous parlent de leurs diplômes. Je suis juriste, je suis ingénieur, je suis ceci et cela. C'est pas ça. C'est pas ce que je veux te dire. Na yipsa kayo kalake. Ozali na chance. Nonobstant, manière nengini nozoka pouvoir na yo. Non eli, ceci et cela, la fraude. Mais j'avais dit que ozali na chance. Étant entré par la petite porte, Naïb Sakayo, avec le temps, il faut sortir par la grande porte dans l'histoire. C'est ce que moi je t'avais dit. Ça signifie, comme nous t'accusons que Oyiba ba élection, nous te disons aussi que vous allez président nommé. D'accord, ça arrive. C'est une autre façon de prendre le pouvoir. La démocratie n'est pas l'unique voie à travers laquelle Motifazo a pouvoir. Les politologues ils vont vous parler de deux voies ou trois voies, par la voie monarchique, donc tu hérites de tes ancêtres aux yeux du pouvoir, par la voie démocratique, tu es élu, et la voie populaire qu'on appelle les élections, ou par un coup d'État. Ce sont les trois voies classiques. La prise de pouvoir par la force. Bon. Yo, au sein du coup d'État, la libération en 2018, bah, PCO, tu as ouvert la voie à la quatrième voie de la prise de pouvoir. Bah, remettre au pouvoir à travers ce que d'aucuns ne cessent d'appeler les deals. Ça signifie les accords de bas niveau et de chambre noire. Je n'utilise pas, je ne l'explique pas de la façon commerciale, non. Je parle de la façon, il y a ma société secrète, société à ma loge. Et les images sont là quand on t'a vu marchant avec des accompagnateurs, accompagnés des gens s'accoutrant en franc-maçon. Bon, ça signifie que vous allez un peu enchaîner quelque part. Mais ma B.O.Y.O. Salé, Mingi, vous allez tribalisme.
lero zwa ki bongo wana, ila fali directement au inauguré multipolarité et multitribalisme en oma batomingi o bazali ya tribu na yote na bibonga nyoso. Il n'y aurait pas assez de contestations comme les lots où tu es enchaîné par ta tribu, les membres de ta tribu qui ne t'aident pas. Mais par contre, leur but, c'est d'aller à Koyimba. Et cela est baissé aux gardes. Au lieu que tu sois populaire, que tu sois mokonzi, réellement mokonzi à Mboka pour tout le monde, bato bazo koyina yo. O sale mabe mingi. C'est ça ton problème. O sale mabe mingi comme les Tutsi et comme les Hutu. Et tu ne veux pas changer. Tu continues toujours ya konome bato na yo partout, que ça soit na kati ya sport, que ça soit partout, ce sont toujours les Baluba. Que cela vous fasse mal ou pas, mais je dois prononcer ces noms-là. C'est ce qui fait que bato balingiote. Alors, ceux qui ont voulu faire ce coup d'état, balingaki, bato nyoso va se révolter contre yo. Et ça allait réussir. Parce que bato balingiote, tu es un mauvais chef. Et tu ne veux pas changer. Les cris de tes concitoyens, ils ont comme la yoté. Les soldats crient. Le salaire n'a pas encore été. Ils sont mal logés. Ils sont mal équipés. Et quelle est ta réaction? Ba fonctionnaire, baleli bemingi. Salaire na bango, ezo komela la bangote. Ton administration, ezo futa bangote. Baleli mingi. Même s'ils n'ont pas le pouvoir et la capacité de t'atteindre physiquement pour te faire du mal. C'est comme Bob Marley l'avait chanté dans une chanson intitulé Natural Mystic. Il y a une mystique naturelle, positive ou négative, mais la négative peut atteindre, c'est ce qu'on appelle en lingue mususu, malédiction. Mitima na bango ezali mbindo parce que ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas bien traités na kati ya mboka na bango. Et pourtant bansango ezokobima au quotidien, on a détourné 450 millions. 350 millions. Et ceci et cela. Il n'y a que des millions. Il n'y a pas de centaines ni de dizaines. Il n'y a que des millions. Et quelle est ta réaction? On n'arrête pas ces gens. Soit on les arrête d'une manière comique. Babimi n'a pas de prison. Et ceux-là qui souffrent rencontrent ces mêmes escrocs, ces mêmes malfaiteurs. Et toi, tu ne réagis pas. Mais tu es le premier avec ton parti à dire « Je suis en train de faire la promotion d'un état de droit. » Un état de droit qui ne pose pas des actes positifs pour la protéger par citoyens mboka na yango. Alors, ozali na benemi mingi. Et pourtant, tu devais régner Namutu nayo triomphant, si au moins Olingaki o se transformer pour te mettre à punir les malfaiteurs, Monsieur Félix.
na bandaki koloba makambo ya religion tie trop clément. Ozali na philosophie ya basango na ya ko tolérer alors que les basango ils sont les premiers malfaiteurs. Alors que les Mendele, ils sont les premiers malfaiteurs. Je ne dis pas qu'il faut punir Bato injustement. Non. Mais tu dois faire preuve. Il y a présence, il y a justice dans Katiamboka. Monsieur Félix. Nazoko Bengayo, magistrat suprême. Le premier magistrat du pays. Oui. Que tu aies été à la faculté de droit ou pas, le pouvoir, le PCO, à titre one, c'est normal. Mais ce n'est pas seulement un titre prestigieux alors que tu n'agis pas, monsieur Félix. Ce qui est allé à Solo, le coup d'état, le gars qui est salama, va manquer. Ils t'ont toujours manqué. Ne pense pas que ces gens dorment. Pas un laboratoire partout. Ils raison. Ils ont ce qu'on appelle en anglais les think tanks. Ce sont des groupes et des clubs de penseurs qui amènent des propositions et qui le mettent en pratique. Le loyo barateyo. Et toi, en étant clément, en étant catholique, en t'entourant d'une bande de voleurs, de menteurs, de minables, de misérables, de pasteurs, on te dit non, il faut qu'on tolère. Nzambe zanango, nzambe ki umwela. Bako zwayo. Félix, po ba zwayo te. Rappelle-toi de tout ce que je t'ai toujours dit et des exemples que moi je te donne. Je te parlais, excuse-moi, d'un naturaliste anglais qui s'appelait Charles Darwin. Tu n'as pas fait des études poussées, mais si tu es entouré de conseillers, ou peut-être quelque part, dans une causerie, on t'aura déjà parlé du principe ou de la philosophie de la survivance des plus aptes. Le principe est raciste. Mais c'est sur ce principe que les Blancs ont colonisé le monde et se sont accaparés de toutes les richesses du monde. Je répète, la survivance des plus aptes. En anglais, on dit « survival of the fittest ». Et donc, si l'on n'est pas apte, on se fait écraser par celui qui est apte. L'aptitude, c'est la compétence de faire quelque chose en utilisant son intelligence et sa force physique. L'herbe aminée la plupart des bateaux ils armés, ils n'ont pas d'armes à feu. Pas ils n'ont pas d'armes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les coloniser, il faut les tuer avec des armes. Et s'emparer de leurs terres et de leurs richesses. Et non résister que ce peuple
qui s'étaient battus contre eux. Les autres ont disparu. L'exemple le plus patent est là en Amérique. Du nord au sud du continent américain, je ne parle pas des États-Unis, je parle du continent américain, il n'y a que des immigrants, des bandits européens. Nombreux étaient des bagnards, longolo bango na ba prison pour vider leur prison, batindi bango boke ne kuna. Et ils sont allés triwander le peuple autochtone na bisikanyo so bakandaka. Amérique est là qui vide été. Il en est de même avec l'Asie quand pour qui na Nouvelle-Zélande, na Australie, quand vous allez, j'ai toujours parlé de ça. Na Tasmanie, ces gens que les Blancs appellent les aborigènes n'étaient pas des aborigènes. Le terme est métaphorique. C'était des Noirs. Parce que la planète Terre n'était peuplée que par des Noirs, bisikanyos. Demande-moi, mais Bongo, Blanc à Outakawap. Je te réfère au Talaba documentaire. Il y a professeur Cheikh Anta Diop, le Sénégalais, qui est mort, et d'autres anthropologues qui ne sont pas eurocentrés et qui basali nakati, il y a science pour dire la vérité, comme l'anthropologue français qui est mort l'année passée, Yves Coppens, qui a prouvé que Bisognoso. Il parlait Nakata Mindele dans un studio de télévision. Il a dit, nous tous, nous sommes des Noirs. Mindele, Asiatique, tout ça, nous sommes tous des Africains. Il avait dit ça. Et on n'a jamais prouvé le contraire. Donc, il y a une série de scientifiques qui ont prouvé qu'il n'y avait que des Noirs. Mindele Bakena Tasmanie. Ils se sont mis à chasser les Noirs comme on tire sur des animaux pour s'emparer de leurs terres. L'administration des envahisseurs coloniaux, parce que vous pensez à Mbongo, le losso que vous boumez 4, 5, 6, vous pensez à autant. Et il est tué partout jusqu'à ce qu'ils se sont accaparés de leurs terres. Parce que ces gens ne savaient pas comment se défendre, et ils ont été subjugués par les effets de surprise. Alors, yosoki ozolinga kuzala apteté en étant clément, on va te manger. Et le Congo aura raté tout dans l'histoire. Naïf sakyoke, po Ngana soutenir yo, tu dois changer de paradigme et cesser d'être folklorique. Parce que toi et ton entourage, vous êtes folklorique. Oyebite ke, ozali na destin ya mboka na kati ya mutu na yo. Tu connais pas ça? Tu es seulement drogué, ivre, bapenga ko fachi, béton, fachi. Yango ne va pas kolia. Fachi, béton, fachi, mukwa ntombolo, ceci. Yango ne va pas kolia. Tu ignores vraiment que vous allez dans la fonction, il y a chef de l'État. Tu t'es sacrifié. Personne ne t'a demandé, plusieurs fois, personne ne t'a demandé d'être président de la République. Personne. Alors tu as la chance d'être là. Mais alors tu es en train de blaguer. Tu ne prends aucune décision qui prouve que tu es réellement un président. Comment les gens peuvent se mettre à détourner le denier public? Comment les gens peuvent se mettre à vendre armement, il y a armé la bise sur les autres, quand il y a des Rwandais, des agresseurs, tu ne fais rien. Comment les gens peuvent se mettre à trahir Batu, à trahir Mboka? Tu vas remplir la prison pour le nourrir encore? C'est quoi ça?
état de droit na yo ezali wapi? Tu sais, Félix, à l'époque, dans l'Empire romain, quand la nation était en danger, on faisait appel à un général dictateur. Un dictateur. Quand le destin de la nation était en danger. Je ne vais pas te donner ou te citer le nom, peut-être ça viendra. Les noms de ce qu'on appelait les Kaiser. Le plus populaire parmi eux, c'était Jules César. Quand le pays était en danger, on faisait appel à un dictateur général qui s'accaparait de tous les pouvoirs. Législatif, exécutif, etc. Pour sauver la nation. Ainsi, l'Empire romain s'est étendu partout et je dois te dire que l'Empire romain est couvaté. Son système continue jusqu'à aujourd'hui dans le monde occidental, d'une manière ou d'une autre. Surtout avec le principe de diviser pour mieux régner. Tu n'en diras pas autant. Mais je voulais juste te dire que Makambo yaba démocratie, la démocratie n'a jamais développé un pays dans le quatrième monde. Ceux-là qui viennent nous donner des leçons de la démocratie ne sont pas nés démocrates. Ntango ba minele ba ke kubumba ba meri ba amérindien na ba noir en Tasmanie en Nouvelle-Zélande tout ça na ba amérindien en Amérique, mais ils n'ont pas appliqué la démocratie. Toutes ces monarchies de l'Europe qui ont développé l'Europe, les alaki démocratie, alors yo okubanga nini. Si réellement Ozali congolais, si tu n'es pas un autre infiltré, un autre candidat étranger, comme toi-même, tu accusais les autres. Mais nous, les nationalistes ou les patriotes, tu n'as qu'à supporter aussi. Maintenant, tu peux te comporter en dictateur pourvu que cela bénéficie les pays. Et de quelle façon? Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda ne nous respectent et l'Europe ne nous respecteront jamais. Si nous continuons toujours avec les histoires de la démocratie, jamais. Parce que chez eux, ils n'appliquent pas la démocratie. Mais alors, c'est quel genre de marchandises qu'ils nous vendent? Talandeko, dans le monde arabe, tu penses que ces gens-là n'ont pas des intellectuels qui connaissent ce que c'est la démocratie, ceci et cela? Mais pour prouver combien ils sont souverains, dès qu'ils prennent une décision, ils l'exécutent. L'Occident peut encore continuer à les railler, continuer à brailler comme des chiens. Oh, le royaume dictatorial des ayatollahs en Iran, oh, le royaume ceci et cela. Sauf que dans le monde arabe, il y a un bateau qui va trahir, on l'exécute, on le pend publiquement. Et l'Occident continue à aboyer comme un chien. Et puis, les kines, dit mon peuple. Il en est de même en Chine. Il en est de même en Russie. Et partout. Parce que d'abord, ces leaders-là de ces pays là-bas voient d'abord qu'ils ont une mission. Il y a protection, il y a souveraineté. Il y a bateau na babilo na bango. Ce n'est pas une blague. Tu ne vas pas au pique-nique quand tu deviens président de la République. Il faut prendre des décisions, même à tes la mabe et que ça la biso mabe. Il faut que ces décisions fortes soient prises, mais que cela bénéficie Namboka, raison pour laquelle les leaders légendaires chinois Mao Tse-tung a kangaka Mboka pendant 40 ans. En pratiquant l'autarcie, à Kangi, ma frontière, Nyos.
Combien de fois on doit te répéter ceci? Et aujourd'hui, il est resté légendaire, incontournable, 40 ans. Il a fait travailler les gens. Et à Kangiba Frontière, Nyos. Mais tu te rappelles de l'histoire que malgré la grandeur de la Chine, le petit Japon à Monelaye a dominé la Chine comme le Rwanda a dominé Bissou. Mais les loyaux, est-ce que le Japon peut encore lever son petit doigt devant la Chine, la toute puissance économique et militaire? Donc il faut des fois prendre des décisions, même si cela ne plaise pas aux gens, il faut prendre la décision dans l'intérêt général du peuple et du pays. Et non pas faire les cache-cache, les chats et la souris. C'est quel leadership ça? Oyo batonayo, y a ma médiano, y a pamba, y a les rumeurs de Kinshasa, parce que c'est comme ça. Tu peux nous dire quelle décision vraiment tu as déjà prise, que ton gouvernement a déjà exécuté au bénéfice du pays, Oyo aussi aux oies, pour que Bissou te botte là au Maboko, ton démon peut toi accompagner dans ce que tu fais. Parce qu'il nous parle de vision du président. Quelle vision? Oui, je sais qu'il justifie ça comme ils veulent. Non, pendant deux ans. Parce que ça, il croque en jambe. Parce que ça, il Kabila, ceci, cela. Mais qu'est-ce qui manque depuis tout ce temps? Yo, Okanga Kabila. Même si c'est lui qui t'avait donné le pouvoir. Après tout pouvoir, Ezali a yo, Ezali a Bissou, ba Congolais, yo, Zamoua, na Congo. Donc, après ça, quand il y a pouvoir, à Saraka RR, alors, Kang, Zoua, pouvoir, pe Kanga, y a un pouvoir, après ça, yo. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et à tout moment, batonayo, ba medianayo, ebimaka, distraire les gens. Non, Kabila, Omoni, Akimi, Omoni, Sernaye, Jeannette, Azana Demia, Omoni, Moissinaye, Olive Lembe, Azalina Aner. Les gens n'ont pas besoin de toute cette récréation. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin des actions, soit pragmatiques. Comme ça, bah, vous respectez. Aussi longtemps que ça, pragmatique, je répète, bah, vous yo. Et tant que vous yo, le Congo aura perdu. Bilan qu'on a joué au bas, ils allaient répéter ça, bilan qu'on a cité au bas, Mbalaming. Et peut-être je ne suis pas le seul. Nazali ko critique yo, nazali ko finga yo, pe nazali ko conseiller yo. Que ozwa chance. Je ne veux pas dire comme les musiciens congolais, chance est loko pamba. Ozwa chance. Mais, comme papa Wemba l'avait dit, mais prends le taureau par les cornes et agis. Pourquoi tu n'agis pas? Le nom komi okima, komi kokima. Parce que tu manques ce principe-là de la survivance des plus aptes. Nani Oyo, à quoi reprocher, ils peuvent parler. Mais Ezali Mboka na biso prouve que nous sommes souverains. Balobi lobi mingi, na Russie, l'air bakangaka, un petit opposant qu'on appelle Navalny qui venait de mourir. L'Occident a parlé, bah, débat à la télévision. Ceci, cela. Bah, empoisonné. Ah, tu veux faire la prison? Ça se limite là-bas. Prigogine, le patron de Wagner. Mais, Oyebi, comment est-ce que? Assez là qui? Il était le cuisinier de Poutine. Il y a un mutazé qu'on l'a mêlé. Bah, Boudin. Bah, après ce mission là, Zana va mercenaire Roy. Mais quand il a osé secouer le pouvoir du Kremlin, tu sais ce qui lui est arrivé? Bon, je ne vais pas être dans ce que j'ai dit, mais tout le monde a compris. Poutine a bengué. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il avait déjà été corrompu par les Occidentaux. Et il s'attendait à ce que, avec son groupe de 500 mercenaires ou 300 mercenaires, à Kenekoko et à Moscou.
avec tout ce qu'il y a comme armée russe, parce que oh, bah, ça, c'est l'Ukraine. Ça, c'est le un tiers, ou le un quart, ou le un cinquième de l'armée russe. Avec 300 soldats ou 400 mercenaires, il y a quand même ça, au quoi c'est Vladimir Poutine. Ba bomie na silence, ba sabote avion na ye, na ye, na batonyo so bazala kwa kitu, down, c'est fini. L'Occident a parlé, le message a été envoyé, que ne blague pas avec la Russie, avec les intérêts des Russes. Alors, qu'est-ce qui t'empêche, toi, Félix, Okanga, Hippolyte Kajambere Kanambe, Okanga, Bandikone Bazoé, tout ça, et les exécuter. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche au Tinda, ma drone, et que ne ko bombarder Bounagana? Tous les jours, ma médias abino. Oh, Pichanka, oh, Rwindi. Oh, pourquoi les avions ne vont pas bombarder Bounagana? Mais vous allez tromper les gens jusqu'à quel point? Vous mentez comme les blancs. Parce que, dans Mindele, Moussa, on ne ko kosa. Et c'est la même maladie qu'ils ont contaminé au Tutsi. C'est le mensonge à tout moment. L'UDPS, c'est le mensonge. Mais faites un effort pour nous guérir Mituna Minokonabino. Parce que chaque fois que vous apparaissez à l'écran et on vous entend à la radio, c'est toujours du mensonge. Comment un homme comme toi, président Mbemba, totalio na radio, Ozo Koloba, la Christiane Osakono, non, suivez-moi, regardez mes lèvres. Est-ce que vous regardez les gestes de mes lèvres? Dès qu'il reste un escamouche, pas escamouche. Vous allez voir. Comment est-ce que tu peux dire des choses comme ça? Et le nom, nous en sommes là, au 15e mois. Ben, escarmouche, ma toiseau, couf à micro-nios. Mais tu ne réagis pas. Il faut être conséquent, monsieur le président. Mais il faut avoir honte de mentir. Je le répète. Soki olingi kobomba batwana te, bakoboma yo. Comment tu peux accepter que les Occidentaux baya kapana biso bo lever décision ya moratoire que yonani ya peine de mort tumba na kumunga bato tous si ce sont des versets chez nous baye no kumunga bato te mais ils tuent ces gens, les gens chez eux. Il n'y a pas longtemps aux États-Unis on venait d'exécuter un prisonnier. Si l'Europe ne le fait pas mais le Moyen-Orientaux le font, où sont les Occidentaux et leur démocratie quand on pulvérise toute la Palestine par un seul pays qui viole les soi-disant droits internationaux? Où sont-ils? Pourquoi ils se taisent quand le même Israël va bombarder ce qu'ambassade son consulat à Iran, à Bomi Bato? Ils se taisent, personne ne réagit. Pourquoi ils ne se sont pas déversés là-bas? Macron, la Belgique, les gens de l'Angleterre, pourquoi ils ne disent rien? Benjamin Netanyahu, pourquoi ils ne disent rien? C'est parce qu'ils sont derrière eux, c'est parce que eux, ce sont eux qui font ça. Ils n'osent rien dire ou faire à Poutine parce que c'est un homme fort. Pourquoi tu continues et ta presse continue à accuser la France alors que tu coopères avec la France? Pourquoi tu ne chasses pas la France? Pourquoi tu ne chasses pas la Belgique? Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il comme on a fait au Mali, au Niger et partout, pour te soutenir. Tu es seul, tu n'es pas soutenu. Et tout ça, c'est parce que le tribalisme est là. Tous les jours, on les voit dans les hôtels. En train d'acheter les amaroula, les whisky, parce qu'on met la masanga, n'a qu'aussi babasi, c'est tout ce qu'il y a dans leur tête. Banati malam ou bagera ma concert. Mais l'herbe au kokoufaona, ils vont tous détaler, et c'est tout. La survivance des plus aptes. Tu n'es pas apte. Ressource-toi de l'Empire romain.
sala dictature mena. Pourquoi tu n'arrêtes pas Moïse Katumbi Naba Moussou. Pourquoi tu kotika bango tant alors que bango azoko sala complot contre yo. Tu ne te rappelles pas Bato bazé ko sala complot contre Mobutu. Ba major Kalume tout ça. Tu sais ce qu'il avait fait avec Akena wana na na champ de tir da Badjadinga beti bango ça c'est yemoko. C'est pour envoyer un message ba sala ka Mobutu ni. Et toi, tu attends quoi? Pourquoi tu n'arrêtes pas Rubero? Pisima na karamu wetu. Asarias Rubero. Moïse Nyarugabo. Pourquoi tu ne les arrêtes pas? Tu es en train. Na yon a presse na yon. Oh, M23, M23. Mais vous savez na M23 wana. Tu attends quoi? Foi des ancêtres. Tu attends quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Mulele, de Kimpa Vita, de Kimbango, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit. Société, ba société belé, boyoka lesate, tout comme na ba foyer, nene moko, papa na maman, dialogue sate, et comme un lobby, moi na bimi fasse, a kimindaku, moi na komi na balabala, moi na bon la na wenze, pour nini, dialogue sate na ba foyer. Bomoni, le lo mindele, ba sangana ki, ba sali ero, bon komi makasi, pour na dialogue, dialogue de sali, dollar, le lo de salamakasi. Dialogue des salis, les deux livres sterling et Zalamakas. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue, c'est YouTube.